Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. La vraie propriété. L'homme ne possède en propre que ce qu'il peut emporter de ce monde. Ce qu'il trouve en arrivant et ce qu'il laisse en partant, il en jouit pendant son séjour, mais puisqu'il est forcé de l'abandonner, il n'en a que la jouissance et non la possession réelle. Que possède-t-il donc ? Rien de ce qui est à l'usage du corps, tout ce qui est à l'usage de l'âme. L'intelligence, les connaissances, les qualités morales, voilà ce qu'il apporte et ce qu'il emporte. Ce qu'il n'est au pouvoir de personne de lui enlever. Ce qui lui servira plus encore dans l'autre monde que dans celui-ci. De lui dépend d'être plus riche à son départ qu'à son arrivée. Car de ce qu'il aura acquis en bien dépend sa position future. Quand un homme va dans un pays lointain, il compose sa pacotille d'objets qui ont cours dans le pays. Mais il ne se charge point de ceux qui lui seraient inutiles. Faites donc de même pour la vie future. Et faites provision de tout ce qui pourra vous y servir. Aux voyageurs qui arrivent dans une auberge, on donne un beau logement s'il peut le payer. À celui qui a peu de choses, on en donne un moins agréable. Quant à celui qui n'a rien, il couche sur la paille. Ainsi en est-il de l'homme à son arrivée dans le monde des esprits. Sa place y est subordonnée à son avoir. Mais ce n'est pas avec de l'or qu'il la paie. On ne lui demandera point « Combien aviez-vous sur la terre ? Quel rang y occupiez-vous ? Étiez-vous prince ou artisan ?» Mais on lui demandera « Qu'en rapportez-vous ? » On ne supputera point la valeur de ses biens ni de ses titres, mais la somme de ses vertus. Or, à ce compte, l'artisan peut être plus riche que le prince. En vain allègera-t-il qu'avant son départ, il a payé son entrée avec de l'or. On lui répondra. Les places ne s'achètent point ici. Elles se gagnent par le bien qu'on a fait. Avec la monnaie terrestre, vous avez pu acheter des champs, des maisons, des palais. Ici, tout se paie avec les qualités du cœur. Êtes-vous riche de ces qualités ? Soyez le bienvenu et allez à la première place où toutes les félicités vous attendent. Êtes-vous pauvre ? Allez à la dernière où vous serez traité en raison de votre avoir. Pascal, Genève, 1860. Les biens de la terre appartiennent à Dieu qui les dispense à son gré. Et l'homme n'en est que l'usufruitier, l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent. Ils sont si peu la propriété individuelle de l'homme que Dieu déjoue souvent toutes les prévisions, que la fortune échappe à celui qui croit la posséder au meilleur titre. Vous diriez peut-être que cela se comprend pour la fortune héréditaire, mais qu'il n'en est pas de même de celle que l'on acquiert par son travail. Sans aucun doute, s'il est une fortune légitime, c'est celle-là, quand elle est acquise honnêtement. Car une propriété n'est légitimement acquise que lorsque, pour la posséder, on n'a fait de tort à personne. Il sera demandé compte d'un denier mal acquis au préjudice d'autrui. Mais de ce qu'un homme doit sa fortune à lui-même, en emporte-t-il davantage en mourant ? Les soins qu'il prend de la transmettre à ses descendants ne sont-ils pas souvent superflus ?
car si Dieu ne veut pas qu'elle leur échoie, rien ne saurait prévaloir contre sa volonté. Peut-il en user et en abuser impunément pendant sa vie, sans avoir de compte à rendre ? Non. En lui permettant de l'acquérir, Dieu a pu vouloir récompenser en lui, pendant cette vie, ses efforts, son courage, sa persévérance. Mais s'il ne la fait servir qu'à la satisfaction de ses sens ou de son orgueil, si elle devient une cause de chute entre ses mains, mieux eût valu pour lui qu'il ne la possédait pas. Il perd d'un côté ce qu'il a gagné de l'autre en annulant le mérite de son travail, et quand il quittera la terre, Dieu lui dira qu'il a déjà reçu sa récompense. M. Esprit protecteur, Bruxelles, 1861. Sur Terre, nous avons très souvent tendance à accumuler beaucoup de richesses matérielles, ou tout du moins à chercher à le faire. Et pour beaucoup, c'est le gage de la réussite. Mais ces personnes ne voient qu'une seule partie de cette vie, n'ont qu'un seul point de vue. Et ce point de vue est très borné par ce qui se passe ici dans la matière. Nous n'avons pas le même point de vue dans la vallée et au sommet de la montagne. Alors, prenons un instant pour gravir cette montagne et pouvoir choisir la vue que nous pouvons avoir englobe toute la vallée. Elle nous prévient de toute l'activité qui a lieu. Nous savons, en un seul regard, comprendre la situation se déroulant sous nos yeux. Alors que dans le village, notre vue est bien plus bornée, bien plus limité, ne pouvant aller au loin, nous nous contentons d'imaginer, de vouloir réaliser telle ou telle activité, posséder tel ou tel bien en vue de notre bonheur. Mais c'est bien mal connaître la vie que de croire que la matière et tout ce qui se trouve ici, dans notre monde matériel, peut nous combler éternellement, parfaitement. Prenons un instant et imaginons, ou rappelons-nous, ce monde spirituel, le monde des esprits, ce monde dont nous venons pour passer ici quelque temps, puis revenir dans ce monde. Ce qui nous relie, ce sont avant tout les liens d'affection qui vont se renforcer avec le temps, avec les expériences. Tout ce qui vient de ce monde matériel ne réussit pas à franchir ce passage vers le retour à la patrie de l'esprit. Tout reste ici, dans le monde physique. Alors celui qui a accumulé richesse matérielle sur richesse matérielle sera bien étonné de se retrouver bien démuni une fois revenu. Ses titres, ses réseaux d'influence, son pouvoir,
ces diplômes ou ses nombreuses propriétés ne feront en rien son bonheur. Pensons plutôt à la raison de notre présence ici sur Terre, à l'utilité de ce que nous vivons ici. Le but premier du spiritisme, c'est justement de nous sensibiliser à l'importance de l'amélioration morale. L'humanité a pour but premier de s'améliorer moralement. Cette humanité présente sur Terre ne déroge pas à la règle. Nous devons nous améliorer moralement. Oui, c'est un devoir. Tous ceux qui dérogent à cette règle et qui cherchent des subterfuges pour être heureux comprendront plus tôt ou plus tard qu'il n'y a pas d'échappatoire à vouloir respecter, à devoir respecter cette loi d'amour, de charité et de justice. Ces lois divines, parfaites, immuables, constantes, régissent le monde des esprits. Ce monde où la moralité est la richesse. Ce monde où faire le bien devient la seule manière d'être heureux. Lorsque nous aurons franchi ces différents cols, nous amenant jusqu'au sommet de la montagne, nous allons nous apercevoir qu'il y a d'autres montagnes bien plus élevées que celles près de notre village. Et que le chemin est long avant de parvenir au sommet des plus hautes montagnes que nous pouvons voir. Nous sommes donc venus ici pour nous améliorer moralement. Et que la seule façon de le faire, c'est d'améliorer nos vertus. C'est ainsi que nous pouvons enfin nous apaiser, enfin trouver ce repos serein de l'esprit, car nous serons à notre place. Nous ferons notre devoir. En aidant les uns et les autres, en apprenant à aimer, en enseignant cet amour par l'exemple, un amour désintéressé qui prêche par l'action et non par la parole. Posséder est donc ce qui appartient à l'esprit, ce qui ne peut nous être retiré. Notre corps reste ici sur Terre, à notre départ, à notre retour à la patrie de l'esprit. Ce que nous allons emmener dans nos bagages seront tous ces moments de paix, de joie que nous aurons su partager. Tous ces moments où nous aurons profité pour nous améliorer en tout point. Le développement de notre intelligence nous permet de développer notre sens moral. Nous pouvons être le plus intelligent des êtres ici-bas, mais sans aucune moralité, cela ne nous permettra jamais de pouvoir être heureux, pleinement heureux, car un monde entier nous fera défaut.
comprenons alors que pour gravir cette montagne, ces hauts sommets qui nous feront un jour connaître Dieu, nous devons avant tout commencer à servir, être au service de l'humanité. Il y a tant de façons de procéder. Voyons quelles sont nos capacités, nos aptitudes, nos différents talents, et faisons en sorte de les mettre à profit du plus grand nombre. Avec tout notre cœur, faisons en sorte de gagner notre vie suffisamment pour ne pas être dépendant de la société. Et usons de notre temps pour faire le bien, pour être au service du plus grand nombre, pour montrer le chemin que nous empruntons pour être heureux. Et qui sait, peut-être que nous aurons la surprise de voir d'autres frères nous suivre et prendre exemple sur nos modes de vie. Soyons donc attentifs à ce que nous partageons, afin que nous ne soyons pas les auteurs qui ont conduit à la chute d'une multitude de nos frères. Alors, quelles sont nos vertus ? Quel est le bien que je fais aujourd'hui ? Est-ce que ce bien est égoïste ? Ou bien est-il généreux et inconditionnel ? Pensons à cela et choisissons en conscience le chemin que nous voulons emprunter. Bientôt, nous devrons rendre compte de ce qui nous a été prêté et de l'utilisation que nous en avons fait. Avons-nous été égoïstes, élitistes? Avons-nous préféré nos semblables de façon intéressée? Avons-nous préféré le clan à l'humanité tout entière? Prenons un instant pour comprendre que nous faisons partie d'une grande famille. L'un enseigne à l'autre, et nous sommes tous liés avec des liens bien plus importants que nous n'y pensons. Nous sommes tous responsables de l'humanité. Un seul homme, un seul être humain peut changer le monde entier, tout simplement parce qu'il fait partie de ce monde. S'il se change, il change le monde entier. Merci à ceux qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, à tous ces esprits familiers, à tous ces esprits bienveillants. Merci à notre guide et à tous nos frères qui ont ouvert le chemin pour que nous puissions l'emprunter aujourd'hui. Que la paix soit en chacun de nous, ainsi soit-il.